Bon, Jean-Claude, une fois de plus, à Bagnères, c'est 29e, c'est le vôtre, hein. C'est là justement, oui, mais... 29e anniversaire, ça fait plaisir, et c'est d'autant plus plaisir que c'est Christian Gajassin, qui, mon fils, qui a pris la relève et qui a donné un petit peu son nouveau dans ce tournoi qu'elle avait un petit peu besoin. Et j'en suis ravi parce qu'il y a une bonne ambiance, il s'est entouré de bénévoles qui sont toujours aussi passionnés, aussi enthousiastes, et je crois qu'il y aura encore un grand tournoi avec un tableau... Justement, vous venez assister au tirage au sort, votre avis ? Un tableau vraiment formidable avec le numéro 1, 192e mondial, c'est quand même quelque chose d'important, et puis ça se suit dans un mouchoir de poche, donc niveau très 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 élevé, et tant mieux pour les amoureux bagnérés de tennis et de la région et de Pyrénées. Ouais. Alors, on écrivait il n'y a pas longtemps que ce futur de Bagnères avait plutôt un parfum de challenger. Mais c'est un peu vrai, moi je côtoie un petit peu tous les tournois, et c'est vrai qu'il y a challenger qui n'ont pas un tableau aussi important en qualité, et c'est tant mieux, ça montre bien que peut-être les joueurs qui viennent ou qui reviennent sont bien accueillis à Bagnères, trouvent notre ville merveilleuse et bien accueillis et ont envie de revenir. Bon, là vous partez pour l'US Open. Bon, c'est bien d'aller là-bas, mais ça vous fait pas un petit peu le cœur de toutes les manières. C'est vrai que ça tombe un peu mal, parce que c'est vrai que enfin, je suis obligé d'aller à l'USPN, parce qu'il y a également, c'est agréable, et il y a du travail aussi, puisqu'on a des réunions du Grand Chelem. Mais j'espère revenir pour samedi ou dimanche pour assister à la demi-finale et à la finale de, entre guillemets, mon tournoi. Ouais. Votre vœu pour ce tournoi, pour finir ? Ouais, que ça soit un petit Français, parce que nous en avons bien besoin, que ce soit un petit Français qui remporte, pourquoi pas un jeune que nous drivons, et puis ça serait bien pour le tennis français, ça montrerait que les Français, les centres de ligue, les centres départementalisés font un bon travail, et qui savent, nous aussi, on sait sortir des champions. Merci, président Gajassin.